Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours un peu de mal avec le son au début. Salut Spamouraï, salut Rancune, bienvenue à vous. Salut à toi McCall. Hop, voilà, j'espère que la musique sera pas trop forte. J'essaye de la mettre un petit peu plus forte lors du, entre guillemets, du générique de début. Mais faut que je pense à la rebaisser quand j'enlève le générique et puis que je passe en mode caméra. D'ailleurs, juste avant le stream, merci à Iris22 pour ton follow. Merci bien. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. On va repartir sur un stream de dimanche, j'ai envie de dire habituel. En mode conteneur, on va faire joujou avec Podman encore une fois. Mais avant, peut-être un petit peu de deux, trois autres bricoles. Ça fera, entre guillemets, ça fera arriver du monde. Puisque bon, il y a toujours forcément le temps que les gens arrivent, que les gens aient la notif et tout ça. Des fois il m'arrive de partir un peu vite et du coup faut réexpliquer 3-4 fois dans le live de quoi il est question. Salut à toi Xavier, bienvenue. Je teste un truc aussi, ça va être un peu le stream un peu de test sur 2-3 bricoles. D'abord parce que j'ai remarqué que de temps en temps, et en à plus forte raison parce qu'il fait chaud, et ben j'ai de l'eau, je bois, et en fait cette fois-ci, plutôt que de boire directement au goulot de la gourde, j'essaye avec une paille, réutilisable hein, bien entendu, mais voilà, je sais pas si ça va faire du bruit au micro ou quoi que ce soit, mais je tente un truc pour éviter que vous voyez plus la gourde que ma tête en fait. Alors sinon la blague c'est que du coup ça cache un peu, alors c'est vrai que c'est pas forcément évident avec l'angle de la caméra, mais ça cache un peu le super t-shirt avec le logo de la chaîne. Alors je me lève un peu, hop, voilà, le super t-shirt à l'effigie de la chaîne, prototype, unique en son genre dans l'immédiat, modèle unique. Salut à toi Yoda, j'ai un trou de mémoire, Azram je t'ai salué ou pas? Bon, bah dans le doute, bonsoir ou rebonsoir à Dram. Et donc, je vais, avant de partir sur la suite de nos aventures avec Podman, je vais en profiter pour... alors, je vais attraper ça. Pour faire un petit peu de déballage, puisque un contributeur anonyme à la chaîne m'a apporté... Enfin, m'a fait cadeau d'un peu de matériel. Alors, vous remarquez que le carton est assez énorme. Le carton ne correspond pas. Le carton ne correspond pas au contenu. Enfin, ne correspond pas, pas tout à fait. Il y a un truc qui t'amuse, Yoda. Je me demande ce que c'est. Le carton ne correspond donc pas à ce qu'il y a dedans. Hein. C'est un carton... Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est un carton super micro. Il y a du super micro dedans, mais le carton ne correspond pas au... non, rien. Et en fait, eh ben, figurez-vous qu'il se peut que dans quelques temps, on ait un upgrade du Home Lab. Et donc, alors, on a des câbles Serialata, toujours pratique. Et puis je vais ouvrir le carton. Alors je ramène pas la caméra devant, hein. De toute façon je vais montrer à l'écran. C'est un peu immense. Hop. Et alors j'espère que le bruit du carton, c'est du SATA. C'est du câble SATA. Hein. Toujours pratique. C'est génial ça, quand on l'a pas c'est un peu la misère. Ce qu'on appelle l'IO Shield pour carte mère. Et bien entendu... Hop, alors avec le micro à côté, allez, vas-y, tombe le carton. Hop, allez, voilà,
Alors, moi, j'ai entendu le boom, mais je sais pas si vous l'avez eu au micro, je me rends pas compte. Mais donc, on va la sortir. Hop. Si je trouve le... voilà. Hop. Voilà. La bébête. La bébête. ASMR déballage informatique, ouais. Alors, c'est pas une carte mère qui est toute jeune. Hein. Voilà. C'est une carte mère Super Micro X9DRE-LN4F. Alors, dit comme ça, j'aurais pu balancer des trucs un peu n'importe quoi comme chiffres et lettres en mode random. Mais voilà. Donc, alors, elle est plutôt sympathique parce que d'une part, il y a deux emplacements processeurs. Hein. Il y en a un là, et puis il y en a un autre là. L'autre truc sympathique, c'est qu'on peut voir qu'il y a 8 emplacements mémoire vive par processeur. Et ça se ressent sur la taille, puisque c'est une carte mère Extended ATX. Voilà. Elle est large, si je puis me permettre. Un autre truc qui est sympa, c'est qu'il y a, deux ports là, les deux grands, qui sont des ports PCI Express. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment câblés 16X, mais en tout cas, remarque, il y a écrit X16 en haut, il y a écrit X16 en bas. Alors, c'est marrant parce que les deux sont, d'après le texte, qui est directement sur la carte mère, il est indiqué que c'est câblé pour le CPU2. C'est assez marrant. Et les autres slots, certains sont pour le CPU1, d'autres sont pour le CPU2. Et c'est tous des 8X. Et c'est des 8X, mais ce qui est intéressant, alors je sais pas si on va forcément le voir bien à la caméra, mais alors, est-ce que je peux le mettre devant comme ça, là? Je sais pas si vous allez voir, mais les slots 8X, ils sont ouverts à l'arrière. Ils sont ouverts. Ce qui veut dire que si jamais je veux mettre une carte 16X dedans, eh ben je peux. Elle sera à une vitesse de 8X, forcément, mais elle sera quand même, elle pourra rentrer dedans. Alors, Yoda, est-ce que j'ai un boîtier pour mettre une carte mère de cette taille? Alors, en théorie, oui. Puisque, alors, je ne l'avais pas filmé cette fois-ci, mais j'avais rechangé de boîtier pour le Home Lab. J'ai pris un boîtier de chez Be Quiet, qui est le Silent Base 800 quelque chose, je crois, qui, normalement, me permet de faire rentrer une carte mère Extended ATX. Donc, j'espère que... qu'elle rentrera normalement. Je découvre aussi, truc amusant, la carte mère a 4 ports réseau RJ45 gigabits, plus un cinquième qui est en fait ce qu'on appelle l'IPMI, donc qui va me permettre de faire de l'administration out of band. Bon, par contre, c'est encore l'USB 2, mais ça, à la limite, c'est pas le plus important. Bref. Ah oui, truc notable, effectivement, il y a deux générations de serial ATA en bas. Il y a deux ports SATA 3 et tout le reste en port SATA 2. Du coup, ça veut dire que je n'aurais pas besoin de rajouter une carte contrôleur si je me contente des deux disques durs que j'ai dans le Home Lab. Mais si je rajoute des disques durs, ils seront en vitesse SATA 2 et pas SATA 3. Un autre truc à noter aussi, on remarquera, alors hop, je vais vous la ressoulever à nouveau. Vous remarquerez ici que là, il y a de la place pour quelque chose qui n'a pas été mis. Et justement, c'est que certaines variantes de cette carte mère ont ce qu'on appelle un contrôleur SAS, justement. Yoda tout à l'heure demandait s'il y avait du SATA ou du SAS, et ben en fait, il n'y a que du SATA, mais il y a certains modèles qui ont du SAS. Et un truc toujours intéressant sur les cartes mères de chez Supermicro, en tout cas bon nombre d'entre elles ont, hop, si je vous le montre ici, un port USB interne. Donc c'est assez sympa.
Donc, merci beaucoup à cet anonyme qui peut-être regarde le stream en ce moment de m'avoir récupéré cette carte mère. J'espère en faire bon usage dans un temps pas trop lointain. Parce que, en fait, ben, il va falloir que je rajoute du matériel autour. Alors, je vais vous demander un petit instant. Voilà, hop. Alors, combien ils m'ont laissé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caps Serialata. J'en avais pas assez, ça tombe bien. Bon, d'accord, c'était peut-être légèrement ironique. Alors, non, absolument pas Yoda, pour une raison très simple. C'est que, alors donc, Yoda qui me demande si le prochain live, ce sera démontage-remontage du Homelab avec la nouvelle carte mère, non. Tout simplement parce que je n'ai pas de processeur compatible avec cette carte mère. Point, point, point. C'est ballot. Et il se trouve que cette carte mère n'a pas été testée. Et que, en fait... alors oui, si ça vous intéresse, pourquoi pas, une fois que j'ai le matériel... que je vous fasse le live démontage-remontage. Ça peut être une idée. Toutefois, il risque de se passer un peu de temps avant que je récupère des processeurs compatibles. Puisqu'il m'en faudra... alors, il m'en faudra deux sur le... comment dire, une fois que le Home Lab sera entre guillemets en production. Normalement, je pourrais m'en contenter d'un pour au moins vérifier le fonctionnement de la carte mère. Parce que voilà, on me l'a fournie, on m'a dit elle n'a pas été testée. Et comme vous avez pu voir, il y avait encore les caches sur les sockets. Donc elle n'a pas beaucoup servi. Et je ne sais même pas quelle version du BIOS elle l'a. Puisqu'en fait, selon les modèles de processeurs, il faut une certaine version du BIOS. Donc en fait, il faudrait que je me procure un vieux processeur disponible pour cette carte mère, pour valider que ça fonctionne, et potentiellement du coup faire le démontage-montage en se demandant si ça va marcher. Enfin voilà, ça risque potentiellement d'être un live long, long et plein de rebondissements, ou qui pourrait tourner court. Bref, voilà, je voulais en profiter. Bon, l'anonyme, encore une fois, je l'espère, se reconnaîtra. Merci encore une fois à lui. Toujours est-il que dans les bruitages, j'espère aussi que vous n'entendez pas le ventilateur dans la pièce. Et que de ce côté-là aussi, tout va bien. Puisque bon, c'est pas parce qu'on a passé le plus fort de la canicule que qui fait 12 degrés non plus, hein. Voili voilou, c'était un peu je dirais peut-être pas l'intro, mais un petit aparté avant de démarrer le vif du sujet. Hop, alors on va pouvoir passer dans ce mode-là. Hop, de retour avec notre terminal adoré. On va passer sur ma VM pod test. Sur laquelle, pour le moment, on n'a pas de conteneur lancé. On avait fait joujou les streams précédents, un peu avec Podman. On s'était fait une image un peu custom, à base de Nginx, et d'une application, d'une page HTML statique. Et ensuite, bah, on avait pas mal joué avec le stockage. Notamment pour voir pour essayer d'attacher des répertoires, voire même des volumes personnalisés sur notre conteneur. Alors, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, on s'était amusé avec des trucs du genre Padgrep, Podman Run. Donc ça vous laisse... Le fait de me baser comme ça sur l'history vous donne un peu l'état actuel de ma mémoire.
Hop, on va retester, on va revalider que ça, ça fonctionne toujours. Hein. Parce que la problématique qu'on avait à la base, c'était quand même que je voulais pouvoir sauvegarder, entre guillemets, enfin sauvegarder, avoir des logs persistants et un contenu persistant sur un conteneur dont l'existence est assez, assez éphémère. Donc, pour ce conteneur, hop, alors 192, 168, 122, 122 de mémoire, voilà. Donc, le conteneur a l'air de toujours être là, voilà, le conteneur est là, il fonctionne, c'est cool. Je vais le planquer derrière, voilà. Et donc, normalement, si je fais un petit podman ps, on devrait avoir notre conteneur encore. Et on va pouvoir aller se connecter dedans. Alors, podman exec-d, l'ID et slash bin slash bash. Hop, voilà, on est dedans. On va pouvoir ensuite faire un petit df-h. Et puis, à ce moment-là, donc, on a toujours... Alors, c'est assez marrant, on a alors, la problématique du point de montage. Remarque, normalement, j'en ai mis qu'un seul de point de montage. Ah non, j'ai bien mis les deux. Ok. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui s'affiche. Mais en fait, les deux sont pris en compte. Ça avait été la conclusion du live de la dernière fois. Si je vais dans var log nginx, alors normalement, je dois avoir, si je fais un petit laisse sur mon access.log. Ah oui, mort peut-être. Ok, mort est dispo. Et nous sommes le 19 juin. Ok, c'est bon. Et le truc étant en UTC, il y a un décalage de 2 heures avec le moment où j'ai fait ma requête. On va même s'assurer que... Alors, est-ce que je peux faire un tail-f? Est-ce que tail est dispo dans le conteneur? Ok. Tail. Oui, tail est dispo. Donc, tail-f, access.log. Hop, voilà. Et puis, on va recharger. Et c'est bon. Ok, cool. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on a ça, c'est ok, c'est cool. Podman PS. Ce qui va être maintenant encore plus cool, enfin encore plus cool, ce qui pourrait vraiment être encore plus cool, ce serait pourquoi pas de s'assurer que la conf de notre serveur Nginx, c'est une conf qu'on veut. Et pour cela, on va commencer avec un truc un peu, j'ai envie de dire, un truc un peu bateau, un peu bourrin. Je me demandais, hop, pour aller gentiment, on va y aller tranquillement. Hein. Le but, c'est pas tout de suite de lancer l'artillerie lourde, mais dans mon Dockerfile, pour le moment, ça, on va pouvoir l'enlever, là, le Nginx and Podman, parce que de toute façon, maintenant, il y a le stockage. Mais une fois qu'on a installé notre Nginx, on va peut-être pouvoir lui donner à manger un fichier de conf. C'est là où je me suis en train de me dire, mais comment est-ce que je pourrais... je vais pouvoir faire une copie, en fait. Donc je vais pouvoir me créer un fichier de conf Nginx et ensuite lui mettre... Alors, ce que je vais faire... ce que je peux faire éventuellement. C'est retourner du côté. On va aller chercher l'access.log.
Il est là-dedans. Puisqu'on est dans un volume. Voilà. Et c'est bien celui-ci. On a 19 juin. Ok. Je vais retourner dans mon conteneur. Voilà. On va faire un truc bourrin. On va faire un petit CP moins VP, ETC, Nginx. Voire même. On va même faire pire. On va faire un VRP de ETC Nginx. Et on va mettre ça dans var log Nginx. Voilà. Et donc j'ai mon répertoire Nginx que je vais déplacer dans, pour l'instant, directement dans Missing Destination. Oui, effectivement. MV Nginx dans tilde slash. Voilà. Donc là, il n'y a plus de répertoire Nginx. Là, var log Nginx. Ok, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le répertoire ici, Nginx. Et on a, voilà. J'ai récupéré toute la configuration actuellement dans le conteneur. Et ça c'est plutôt sympa. Parce qu'on va pouvoir aller regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, est-ce que j'ai la commande? Non. J'aime bien la commande tree. Donc tu vas l'installer. Voilà. Donc a priori, conf.d et default.d sont vides. On va peut-être jeter un œil au nginx.conf. Et notre nginx.conf. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Donc il peut aller. Il fait un inclus, il fait une inclusion de tout ce qu'il y a dans étoile.conf. Donc ça pourrait être une idée en fait de juste avoir à mettre dans notre. Peut-être selon les configurations qu'on va vouloir modifier, de mettre ça dedans. Et là, on a notre configuration globalement, bah, la configuration par défaut, qui est jusqu'à maintenant celle qu'on a utilisée. Et là, on a tout ce qui est paramètres pour du TLS. Mais on n'en fera peut-être pas ce soir. On verra. Alors la question. Non, je. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas fait, tiens. J'en ai pas fait, tiens. J'ai pas fait d'erreur 404 custom dans mon dans mes pages, dans ma page statique. Je pourrais peut-être me le noter à l'occasion, tiens, de me faire une page HTML d'erreur custom qui soit sur la même comment dire, sur la même charte graphique que ça. Alors ça, en plus d'ailleurs, c'est une vieille version, mais en même temps, la nouvelle date de genre aujourd'hui ou hier. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va directement tailler dans le nginx.conf principal ou est-ce qu'on rajoute un truc dans le conf.d? Le default.d est vide d'ailleurs. Et les autres fichiers dans l'immédiat, vu qu'on va être sur un site web statique pour l'instant, hein. Je m'interdis pas ensuite d'aller sur le. D'aller, comment dire, créer d'autres conteneurs avec du dynamique. Pourquoi pas du PHP, du MySQL d'ailleurs. Alors non, il n'y a pas de site available ou de site enabled de Yoda. C'est un truc qui est. Voilà. C'est. Si je puis me permettre, c'est une Debianerie. C'est spécifique Debian et dérivés. Donc après, généralement, on va rajouter les fichiers de VirtualHost dans conf.d. Alors figure-toi que cette histoire de site available, de site enable, moi aujourd'hui, je m'y fais. Je m'y fais.
Je suis pas. J'étais pas forcément convaincu au début, mais je m'y fais. Je crois avoir rencontré une personne ou deux qui était pas fan. Et moi d'ailleurs au début j'étais pas fan, mais là je m'y fais. Je dirais pas que je trouve ça nul, mais c'est typiquement sur des endroits, enfin comment dire, sur des confs personnels. S'il y est pas, je cherche pas à le mettre en place, par exemple. Donc c'est pas. Je cherche pas à tout prix à le mettre en place. Bon. Donc à la limite, peut-être effectivement faire une conf dans conf.d et puis le coller dedans. Alors, je me pose une autre question. Est-ce que par hasard, si je reprends ça, remarque il n'y a pas le default là. Parce qu'en fait, je me disais peut-être essayer de créer comment dire, un conteneur qui soit un peu plus générique et avoir une conf Nginx un peu sympa, mais pas complètement customisée. Et potentiellement avoir justement le server name en underscore comme ça pour dire voilà tu prends tout. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. On pourra même d'ailleurs personnaliser aussi l'access log et d'autres choses. On va tenter comme ça, tiens. Alors, remarque, il y a déjà le x4 de la remote ADDR. Ouais. Ouais, non, le log format, il a l'air pas trop mal. Donc, on va peut-être pas le redéfinir. On va voir. Je vais me baser sur un truc. Ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais commencer par copier ça. Et on va éditer dans du coup conf.d slash et on va l'appeler app.conf, tiens. Voilà. On le copie. Est-ce qu'on peut faire peut-être revenir un peu en arrière sur les tabulations? Voilà. Ouais, c'était peut-être un peu beaucoup. Non plus. Voilà. Si je fais juste ici. Non! Ah là là. Voilà. Toi, tu reviens d'un cran. Toi, tu reviens d'un. Tu reviens d'un cran. Et ensuite, remarque si je fais ça. Non, ça va pas le faire. Bon. Allez, c'est pas dramatique. Ça, on va pas l'ajouter. Puisque justement, on est dedans. Pour m'inspirer, en fait, en termes de conf, je vais aller chercher un petit truc sympa. Qui est le HTML5 boilerplate. Et en raccourci, c'est H5BP pour Nginx. Et j'en profite pour vous donner le lien sur GitHub. Hop, voilà. Et je vais en profiter pour le mettre aussi sur les liens du live dans le serveur Discord. Alors normalement, tiens, dans la catégorie, il y a des tests ce soir. Normalement, si vous faites point d'exclamation socials, hop, je vais tester ça en direct. Voilà, ouais, ça passe. Voilà, les commandes sont de retour. Alors pour l'instant, c'est Streamlabs, mais au moins les commandes sont de retour. Et en fait, la blague, c'est que vous retrouvez justement, vous retrouvez ce site-là en version à jour. Hop.
Et donc vous retrouvez notamment dans ma page d'accueil, vous retrouvez le lien vers le Discord pour retrouver les liens du live. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait ? Pour en revenir un peu à la base, c'est qu'est-ce que c'est que ce, ce truc-là ? En fait, HTML5 Boilerplate, alors là, je vous montre la version Nginx, mais il en existe aussi une pour Apache. C'est une collection de configurations, d'extraits de configuration, qui ont pour but, quelque part, de proposer l'état de l'art en termes de performance et de sécurité sur votre serveur web. Alors je dis pas qu'il faut suivre à la lettre tout ce qu'il y a dedans, mais je trouve que c'est un point de départ qui est pas dégueu. Alors ce qui est assez sympa, c'est que il y a moyen en fait. Alors bon, la manière dont on le dont on s'en sert, après ça dépend des gens, mais alors, celui-ci, il dit quoi ? Voilà, en fait, hein, il vaut peut-être mieux aller dans, dans le répertoire H5BP. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Et en fait, on a plein d'extraits de conf. Donc, bon, là, il propose de faire différents includes. Et ensuite, si on va, par exemple, dans Web Performance... et qu'on regarde le cache file descriptors. Par exemple, voilà, on a plein de trucs commentés. En fait, quand on va chercher les fichiers un à un, les confs vraiment, en fait, qui sont organisés par fichiers selon les thématiques. Donc là, on a un truc sur les caches avec plein de commentaires. Alors que si on prend le nginx.conf complet tel qu'il est là, en fait, et qu'on cherche les histoires de caches... qu'est-ce qu'on peut prendre ? Open file cache, tiens. Est-ce qu'on l'a là-dedans ? Non, il y est pas. C'est dans lequel alors ? Ah, parce qu'en fait, il fait des includes, donc ça, ça va carrément être le fichier de base qu'ils estiment. Parce que voilà, ils font des includes. Cache, c'était quoi celui-là ? C'était cache file descriptors. Hop. Mais il y a moyen de créer un fichier, je crois, custom avec toutes les. Toutes les règles qu'on veut et il... Ah oui, c'est parce qu'il a rajouté le compression, le cache expiration et il n'y a pas le basique qui est inclus. Ah, il fait des maps, ok. Include conf.d étoile.conf, ouais. Ok. J'espérais avoir un truc à pouvoir placer tranquillement. Oui, alors honnêtement, là on est sur du. On est sur du. On est de toute façon sur un site statique. Hein. Et très clairement, le niveau de cache ne sera pas au niveau de Varnish. Mais sinon, dans les trucs de perf, bah, il y a la compression par exemple. Azram qui relance Varnish. Ah là là. Alors, à mon souvenir, il n'y avait pas un truc du genre. Mets-moi le fichier en entier. Ou. Et ça y est. Ça se restart dans tous les sens. Alors, usage, as a reference, directly. Ne redémarre pas suite à un défaut de config non sauvegardé. Alors... A priori, on va pouvoir dropper la conf. On va pouvoir dropper la conf en mode drop-in, non ?
Il y a quoi dans le côté sécurité notamment, tiens. Ils ont mis quoi? Content Security Policy, Cross Origin, Permission, Référeur, Strict Transport, Extent. Ah, donc il y a les Content Security Policy qui sont activés. En termes de Cross Origin, ils rajoutent des trucs. Donc a priori, ce que je pourrais même tenter, en fait, non, je vais laisser le répertoire Nginx ici, mais j'ai un répertoire Git ici. Ah bah tiens, hop. Alors je vais faire comme d'habitude. Hop. Et faire un petit Git clone. Hop. Voilà. Pourquoi il n'en a pas voulu? Ah oui, parce que j'écris deux fois Git clone. Voilà. Donc, pour utiliser directement, on remplace la conf Nginx, le répertoire directement avec ce repo. Ok. Bah, on va pouvoir tester alors. On va pouvoir tester. Pour tester ça, comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? A priori, il y a juste le contenu ici à mettre à la place du répertoire Nginx en fait. C'est ça, hein? Ouais. Git clone comme ça. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est. Voilà, alors. Nils. Donc, en gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir faire exactement comme ça. Sauf que ça dégage. Ça, on va pouvoir faire. On va faire ça. Et puis, on va faire. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon point? Hop. J'ai perdu l'usage de mon clavier. On va refaire rm-rf, mais du slash etc slash nginx. Remarque, est-ce que. Ouais, si on le fait en. Ah, peut-être est-ce qu'on fait un MV Ouais, non, allez, on va y aller comme ça à l'arrache. Et on fait ici. Hop. On va dans etc. Et on va git clone. On va faire comme ils se disent là. Hop. Voilà. Ça, on s'en fiche. Et globalement, il va rester peut-être une chose à faire, c'est à faire un petit run d'un CP, du fichier de conf serveur. Double coller. Oui, j'ai fait un double coller, effectivement. Bien vu Yoda. Bien vu Yoda. Hop, voilà. Alors. Est-ce que dans le conf.d ils ont un template, ils ont un point default, un OSSL default. Alors. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et ce qu'on va pouvoir faire éventuellement. Ouais, non.
ça, on va le laisser comme ça. C'était quoi leur fichier? No SSL? No SSL-default. No-SSL.default.conf. Alors, ça on s'en fiche. Ça on va éviter. Hop, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est... on va peut-être regarder dans... on va mettre le même route, hein. Je pense que c'est pas mal. Oups là. On va mettre le même route. Dans le doute, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va faire un access log et un error log. Je pense que ce sera une bonne idée. Donc var log nginx. Et on va l'appeler no-ssl .default. Peut-être underscore plutôt default point access underscore access tiens hop point log et on va faire pareil avec l'error log. On va d'abord remettre un point virgule. Var log nginx nanana, hop ici error log, sauf que il faut que je rajoute ici main si je me rappelle bien, si on va voir dans le fichier de conf nginx par défaut de mémoire. Hop là, effectivement il y a le petit main qui va bien. Tiens d'ailleurs il y a un error log là dedans ou pas? Oui il y a un error log. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Et tant qu'à faire, ce qu'on pourrait rajouter. Est-ce qu'on pourrait rajouter un truc intéressant? Déjà, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Déjà, avec ce premier extrait de conf. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais carrément déplacer ça, parce que ça c'est dans la conf nginx. Donc, on est dans flush podman test01. C'est pas mal ça. Hop, ici. Voilà. Et donc, si je regarde mon Dockerfile, ce que je peux faire, c'est faire un cp-af. On va lui dire bah, no-ssl underscore default point conf. Hop. Allez, on va copier. Oups là, qu'est-ce qui m'arrive moi? Hop. Voilà, et on va aller le mettre dans un... Ah, il y a un truc qui me... Je suis en train de me poser une question là. J'avais fait comment sur le précédent Dockerfile? Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. J'ai pas le... je vois pas là comment je vais pouvoir copier. Parce qu'en fait, tous les runs, les trucs comme ça là, je suis dans le conteneur. Alors j'ai bien une idée, mais elle est moche. Ce serait de créer encore un volume. Mais je pense pas que ce serait, je pense pas que ce serait intéressant. Par contre, ce que je veux faire à SRAM, c'est tenter d'avoir ce fichier de conf là. Ce petit fichier de conf, j'aimerais bien le mettre dans mon conteneur quand je vais le construire avec mon Dockerfile. Parce que autant à ce niveau-là, bah, on arrive à faire des git clone. Ou alors je fais un gros écho. J'ai la commande copie?
Ah, ça c'est cool. Donc si je peux faire un copie, je vais en profiter. Hop, parfait. Allons-y. Oula, on revient. Copie. On va peut-être faire dans le doute, on va faire ça. Et on va aller mettre ça dans slash etc nginx. Et ouais, on va le copier à la place d'une OSSL-default.conf, tiens. Hop. etc nginx donc conf.d. Alors je sais pas s'il va apprécier qu'on lui s'il va demander à écraser par défaut, mais on verra bien. On verra bien. C'est l'occasion de découvrir. Je crois que j'ai toujours mon conteneur qui tourne. Donc on va l'arrêter. Voilà. Et normalement. Ici, je peux faire un podman. C'était build, je crois. Voilà. Erreur. Alors. CD slash etc, git clone. Error while running. Ah, alors. Git command not found. Ah, bah oui. Puisque je n'ai pas, je n'ai pas installé git. Alors, attends. Juste la commande git, c'est git-core. Voilà. Ce sera mieux. Une fois que ça c'est fait, si je relance mon podman run, il s'est lancé. Il s'est lancé. Maintenant, si je fais un podman ps pour récupérer l'ID et que je fais à nouveau un podman run moins it et on va faire bin, ouais, on va utiliser notre shell. Hop. Wait, what? C'est quoi cette blague? Est-ce que je me serais trompé? Oui, je me suis trompé parce que c'est pas un run qu'il faut faire. C'est un exec. Voilà, mieux. Alors, si je vais dans slash etc et que je vais dans nginx, j'ai des choses. J'ai rien du tout. Et en plus, l'arborescence n'a pas l'air de ressembler à quoi que ce soit. Pourtant elle est là, elle existe. Ah non, 6 days ago. Localhost à HP. 6 days ago. Ah, c'est pas glop ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Commit D8 BCF. D8 BCF. Une minute. Il y a une minute. Et elle est dans aucun repository, tiens. Est-ce que je me serais trompé avec. Build. Oui, c'est parce que je l'ai pas fait comme il faut. Allez, on la rebuild. Voilà. Et là, normalement, j'ai un... Voilà. Là, c'est mieux. Allez, on reprend. Je run mon petit truc. Ensuite... Ah. Ah oui, là, il y a un souci, visiblement. Ok,
Alors. Eh bien. Bin bash. Et. Oui, c'est probablement. Je pense que tu es dans le vrai, Azram. Le service doit crasher au démarrage. Comment je l'avais fait pour juste le run? On l'avait fait comme ça. Hop. Allez. Donc là, je suis dedans. ETC Nginx. J'ai bien un nginx.conf. Alors, est-ce que par hasard, il serait pas content à cause de SE Linux? Bon, il y a des labels. Si je lance Nginx, alors comment je le lançais le Nginx? Je lançais directement usr bin Nginx. Non. Ah. Non, pas de witch, donc nginx-t. Alors, il peut pas ouvrir var log nginx error.log permission denied. Ah, je crois que je sais. Et je pense que c'est que c'était pas une bonne idée de lancer de mettre le drop-in comme ça du fichier en fait. Parce qu'en gros, si je fais un petit vi sur nginx.conf, voilà, user 3w-data. Si je fais un 4 de etc passwd, on a un utilisateur nginx et pas un utilisateur 3w-data. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours permission denied. Mais là, il dit cette fois-ci, la syntaxe est OK. C'est bizarre ça. Varlog nginx. Ah, remarque, ça appartient à root. Alors, on va s'y reprendre autrement d'abord. Je pense que c'était peut-être un peu trop demandé d'y aller directement avec. Alors, ce qu'on va faire, on va être un peu moins goré. Voilà. On va laisser ça comme ça. Déjà, on va voir si ça rebuild. Ça rebuild. Hop, et bah, je vais relancer ça. Voilà. Et si je fais Nginx. Alors, il arrive toujours pas à écrire dans. Conflicting server name. Donc, déjà, je sais qu'avec la conf par défaut, j'ai le conflit sur sur la conf. Ok. Carrément permis. Ah, mais attends! C'est parce que je n'ai pas mis les deux points Z, je crois. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Donc là, on est bon. Ou presque. Est-ce que je vais tenter, même si c'est peut-être un petit peu moche. Hop, on va le quitter. On va reprendre notre Dockerfile. Et cette fois-ci, on va faire ça, mais. Hop, là, on va le copier.
Et ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est utiliser Sed. Alors, est-ce que Sed est dispo, tiens, dans le... Ouais, il y a Sed dedans. Nickel. Alors, Sed... moins E. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer 3W-data par Nginx dans slash etc slash nginx.conf. Merci pour le follow 14TDF60. Merci à toi. Donc, on est tranquillou, normalement. Ça devrait passer. Ah, non, il n'arrive pas à faire. Me serais-je trompé? Bon, j'ai fait tout quoi entre simple côte. Ouais. No such... Ah. Ah oui. ETC. Nginx. Alors juste par précaution. Ok. On va lui demander. Il est pas sous le symbole de l'art. Il est là. Ok, il m'a rendu un 0. Alors normalement, je me doute que le fichier, il devait pas avoir de 3W data, mais bon. Allez. On rebuild. Cette fois-ci, ça s'est bien passé. Et je vais retenter mon run. Je vais retenter mon run comme ça, on va être optimiste. Et il tourne. Il tourne cette fois-ci. Il tourne. Alors. Podman exec. Et on va aller dans notre conteneur. On va lancer bash, comme d'habitude. De façon à pouvoir regarder un peu ce qui se passe dedans. ETC Nginx conf.d. Et mon OSSL, a priori, c'est bien celui que je lui ai mis. Ok, ça c'est cool. C'est très cool. Donc maintenant, je vais reprendre mon petit truc ici. Et est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Var log Nginx. On a... On va vérifier la date. 17h07. 17h07. Ça, c'est plutôt bon signe. Et on a déjà des erreurs dedans. Tiens, il y a quoi dedans? Il a essayé d'ouvrir... Ah, il a essayé de regarder un favicon, tiens. Faudra peut-être que je mette une favicon sur ma page à l'occasion. Donc ça, c'est cool. Alors, je sais pas trop comment on fait dans l'état de l'art. Mais je me demandais... Alors, je vais peut-être pas me lancer dedans dès maintenant, mais je me demandais... Si à la construction de notre conteneur là avec notre Dockerfile, plutôt que de copier des fichiers de conf comme ça, est-ce que ça serait pas une idée d'installer je sais pas moi un truc de gestion de conf, je sais pas moi genre un salt ou un Ansible et de lui dire vas-y exécute-toi avec tel rôle. Et installe-moi les confs pour, je sais pas moi, un serveur web, ce genre de choses-là. Je pense que ça pourrait être amusant. Hop. Un autre truc que j'aimerais voir... Est-ce qu'il y a quelque part l'access log ou l'error log qui est défini? Ouais, il est défini là. Remote ADDR, remote user. Ok.
Vu qu'un conteneur est censé être jetable, c'est pas trop dans la philosophie de Salt Puppet. Ouais, effectivement. Peut-être un Ansible qui crée le Dockerfile. Ah oui. Oui, à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, au creux, au lieu de créer un. Alors, dans la construction de l'image, ouais. Mais je pense que Yoda, c'est ce qu'il dit quand c'est pas dans que c'est pas dans la philosophie. Oui, alors McCall, c'est pas garanti que je me lance dans Ansible ce soir. Hein. Mais s'il existe des rôles Ansible qui permettent de créer un Dockerfile, ça peut être une idée aussi. Ça peut être une idée. Je ne suis opposé à rien. Je vais peut-être pas me lancer dedans là maintenant, parce que là pour l'instant j'ai un petit setup qui a l'air d'être fonctionnel et qui dans une certaine mesure me donne satisfaction. Bah, je pense pas que t'aies loupé de phrase, Yoda. En gros, moi, ce que je me disais, c'était à la base, pour être plus précis, c'est que dans mes runs, là, il y est carrément un Ansible, éventuellement un Git. Ah ouais, non. Ah non, là, ça va être moche. Parce que si jamais je récupère un repo custom, genre avec des rôles Ansible, enfin des playbooks, et que j'exécute le playbook. Ouais, remarque, je récupère le playbook, je l'exécute et je l'efface à la fin. Mais ça fait moche quand même. C'est peut-être effectivement pas dans l'esprit de la gestion de conf. Par contre, effectivement, à un plus haut niveau, avoir un playbook Ansible qui crée un Dockerfile, c'est une possibilité, hein. C'est une possibilité. Parce que. Alors, t'es pas censé avoir moult services dans un conteneur. Du coup, je ne suis pas certain de l'intérêt du Ansible Salt. Ouais, effectivement. Bah alors, dans ce cas-là, oui, c'est plus pour créer des recettes de construction d'image et pas pour mettre à l'intérieur de l'image. Après, je ne pensais pas forcément à ajouter plein de services dans un conteneur, mais juste pouvoir avoir une conf bien géré. Donc là en l'occurrence dans notre cas de figure, tu vois, j'ai carrément dézingué la conf Nginx et j'ai carrément remplacé à grands coups de git clone et un sed qui est, je trouve, peut-être un peu goré. Remarque, tu me dirais à la limite ce que je devrais faire, ce serait plutôt faire un fork personnel de ce repo et notamment bah, remplacer 3W data par Nginx dans ce fork à moi pour m'éviter de lancer un set de goré comme ça dans le Dockerfile. Qu'est-ce que ça donne donc? Actuellement, on a réussi à customiser notre truc. On a réussi à customiser notre truc, c'est cool. Donc on a une conf custom avec plein de. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant qu'on pourrait déclencher pour s'assurer que la conf est bien là chargée? Remarque, on a vu les logs. On a vu les logs, donc en fait, c'est bon. C'est plutôt cool. Mais du coup, ça veut dire qu'en cas de besoin de mise à jour de la conf, il faut. Alors, tu fais une CI qui s'occupe de récupérer les éléments externes et d'y faire des changements que tu veux, puis qui lance le build du conteneur. Ouais. Ouais, c'est une. Mais peut-être que la CI, c'est pas l'idée de ce lab. Alors pour le moment, non. Mais alors pour l'anecdote. Donc, si je vous remontre pour l'anecdote, donc où est-ce que j'en étais? Hop, si je vous montre ça là, cette page web,
qui est donc actuellement servie justement par le conteneur que j'ai lancé. Donc cette page web, c'est ma page d'accueil, hein, si je vais sur, sur anotherhomepage.org. Hop, anotherhomepage.org. Globalement, voilà, à part les quelques petites modifs que j'ai faites ce week-end, c'est à peu près la même chose. Enfin, à peu près. Entre-temps, le truc, il a été minifié aussi. Enfin, voilà. Bref, détail. Toujours est-il que ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'aujourd'hui, ce contenu-là, donc c'est un repo Git, et j'ai une commande pour pousser ensuite de mon repo Git vers mon serveur web. Mais à ce jour, au niveau de mon... Au niveau de mon dépôt, qui d'ailleurs est public, eh bien, il n'y a pas de CI en place. Le truc ne va pas générer effectivement un conteneur pour vérifier que le site répond au, à ce que, est-ce qu'il est censé répondre. Alors vous me direz, pour l'instant, Nils, c'est peut-être un peu abusé parce que c'est juste une pauvre page HTML, une petite CSS, quelques liens hypertextes, une image. Tu vas pas monter une CI pour ça. Mais ça pourrait être une idée de mettre en place une CI pour ça, non pas parce que c'est utile, mais parce que c'est l'occasion d'apprendre. Je pense que c'est un petit peu en dehors de ce, de ces streams pour le moment. Mais ça pourrait être une idée. Ce qui m'embête, c'est que ce serait... L'idée, c'est de s'amuser, peu importe qu'il n'y ait qu'une seule page. Merci Azram. Merci Azram. Mais justement, en fait, ce que je me dis, c'est que ça permettrait de se mettre le pied à l'étrier sur le sujet. Et ensuite, je pourrais monter une CI pour, par exemple, mon blog. Qui lui utilise un moteur de blog qui s'appelle Pélican, enfin moteur de blog, ouais, moteur de blog qui s'appelle Pélican, qui est fait en Python. Et effectivement, là, à ce moment-là, dans la CI, avoir le lancement de Pélican et s'assurer que Pélican, lorsqu'il génère le site, se termine avec succès, c'est peut-être pas plus mal. Et là, effectivement, la CI a un peu plus de Alors, je veux pas, comment dire, je veux pas faire du teasing que je ne serai pas en mesure d'assumer plus tard, mais pour l'instant, on est juste sur un pauvre conteneur. Je ne serais pas contre, pourquoi pas, un peu plus tard, lancer des trucs un peu plus complexes, pourquoi pas du K8S. Je ne me l'interdis pas. Vous savez quoi? Je suis en train de me dire que puisqu'on cause CI et puisqu'on cause conteneur, ça me tente bien en fait. Alors je sais pas si j'aurai forcément le temps de finir d'ici 20h, mais c'est malin, Azram, tu m'as donné envie de m'y mettre. C'est... y a que Azram que ça botte ou... Si je... Parce que j'avoue, ça pourrait être amusant, effectivement. Azram sifflote. Surtout qu'en plus, il existe GitHub Actions, je crois. Si jamais je vais me renseigner sur le sujet, hop là, viteuf. Et donc il y a peut-être moyen de faire ça, à moins que t'aies, à moins que Azram, tu aies l'habitude d'utiliser autre chose. Ah, dans les actions, t'as carrément des trucs genre Circle CI. Commit check. Ok. Test quality.
Azure Pipelines. Oui, ben, pour être tout à fait transparent avec toi, Azram, je n'ai jamais joué avec la CI de GitHub et plutôt celle de GitLab aussi, et sur du GitLab comment dire, auto-hébergé, et pas. Alors, si je reviens plutôt, hop. Alors, est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'ils ont un tutoriel? Alors, repo public gratuit, ok. Chez GitHub, nous aimons l'open source. l'avenir d'automatisation des workflows, c'est maintenant. Ouais, ok. Documentation. Hop. Alors, Quick Start. C'est bien ça, Quick Start. Ça me plaît, ça, Quick Start. Alors, créez votre premier workflow. Create.github/workflows-directory dans votre repo, ok. Dans le répertoire, on crée un fichier comme ça. On copie le YAML. D'accord. Ok, alors, ce qu'on va peut-être faire dans ce cas-là... Et on va l'appeler GH. Non, on va l'appeler actions-discovery. Voilà, on a une nouvelle branche. Et donc, il faut créer un fichier, un répertoire.github. Voilà, et dedans. Workflows. Alors je dévie un peu du sujet du stream à la base, mais... Et en gros... ouais, on va copier ça. Et en gros, c'est censé pouvoir lancer un truc comme ça. Ah, faut vraiment le add dès le début. Hop. T'avais prévu autre chose, reprends ce qui était prévu, je voulais pas tout chambouler. C'est gentil. Bon, on va jeter un œil déjà. Ah oui, ça c'est pour la pull request, hein, mais ça à la limite on s'en fiche. Salut à toi Baptiste. Toi tu utilises les actions GitHub pour build une image Docker et ça fonctionne bien. Ah, intéressant. Bienvenue d'ailleurs au passage. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait de cette page ? Compare et pull request. On verra ça plus tard. Je voudrais juste d'abord regarder. Elle est où la branche? Hop, actions discovery. Donc là, il y a un truc. Ok. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, où est-ce que j'en étais? 2, 3. Scroll to the bottom, create a new branch for this commit and start a pull request. Oui, bah justement. Ah, d'accord. Faut faire une pull request. Ok, on va faire une pull request. C'est pas grave, je vais... Je vais faire la pull request. Allez. Hop. Hop. Allez, créer pull request. De toute façon, je pourrais toujours la refuser. Hein. Ça n'a pas été... ça n'a pas été setup. Ok. Alors, c'est censé push le workflow sur le site de GitHub, main page actions.
Alors, il faut que je l'active d'abord. Ah, mais si je fais le get started, ouais, je reviens sur le... Donc le truc est pas activé. Et dans leur quick start, ils disent même pas comment l'activer. C'est un peu dommage. Bon, ça c'est d'autres trucs. Parce que donc, de fait, là, ça a rien lancé. Parce que là, j'ai des actions. Ok. Get started. Deployment. Alors, in the left sidebar, click the workflow you want to see. Donc, je suis censé avoir une sidebar. Ah non, attends. Actions, ouais, je suis dans les actions. Setup a workflow. Ouais, mais je l'ai pas du coup. Alors, j'ai mis quoi? Je vais revenir sur le. Je pense que je suis pas allé. Je suis allé un peu vite. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un répertoire. Ok. C'est un répertoire qu'il fallait créer. Et donc il faut l'appeler. Hop. Voilà. Donc si je git push maintenant. Et qu'on revient par là. D'accord. Et tout de suite, quand on fait le truc. Ok, et il a un truc à me montrer dans les checks? Mais en gros, je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait réellement parce que... Ouais, il faudra peut-être que je regarde le truc hors stream en fait. Et je vais peut-être revenir sur mes trucs en local. Parce que je pense pas que je vais pouvoir faire joujou avec Podman comme ça. Bon, donc revenons sur sur notre Nginx. Donc on a réussi à lui faire une conf, mine de rien. On a réussi à lui faire une belle petite conf là. Ce qui pourrait être intéressant maintenant. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si je peux pas lancer un autre conteneur qui serait différent. Alors, S02.
test 01 slash Dockerfile dans test 02. Et ce qu'on va faire, c'est... Alors... Ce que je verrais bien pour ce deuxième conteneur, en fait, ça va être remettre une conf aussi Nginx, mais mettre une conf Nginx avec du SSL. Pour avoir en fait un reverse proxy et faire en sorte que mon premier conteneur envoie vers le deuxième. On va peut-être commencer gentiment sans SSL et ensuite voir ce que ça donne. Donc merci beaucoup pour le follow, KinoFool. Merci à toi, c'est gentil. Donc on va commencer gentiment. Ce qu'on va faire, c'est que si je fais un build... on va l'appeler... on va pas l'appeler Nginx, on va l'appeler... on va l'appeler Reverse, tiens. Allez, Reverse. Normalement, il va se viander. Oui, parce qu'il manque le fichier, alors... Nous SSL, hop, là-dedans. Et si je fais ça, il le build. Bon, forcément, il est identique au premier, mais on va pouvoir se baser dessus. Donc là, j'ai mon truc. Alors, donc de fait, le user share Nginx HTML, on s'en moque. On va le laisser donc. On va faire notre git clone. Ça, on va le faire aussi. Ça, on va le faire aussi, mais. Ouais, on va le laisser comme ça et on va voir ce que ça donne. On va rebuilder. Donc déjà, pour l'instant, on devrait être sans SSL. Et déjà, on va rebuilder pour avoir un serveur web. Ce que je vais faire, c'est relancer celui-ci sur le port 8001. Alors du coup, je ne vais pas pouvoir y accéder. Par contre, comment on avait créé nos volumes? Alors... Podman volume créé. Bon, on va faire un test 02. Hein. Hop. Underscore logs. Voilà. Et je vais reprendre en fait ma commande Podman qui est ici. Et en fait, on va lui dire de tourner port 8000. Celui-là, on s'en fiche. Hop. Et on va mettre test 02 logs. Et ici, ce sera pas Nginx, mais ce sera Reverse. Ok. Donc là, j'ai maintenant deux conteneurs qui tournent. Si je fais un cœur, l'http 2.127.001.2.8001. J'ai mon truc. Et si je fais 8000, normalement, je vais avoir un... Voilà, je vais avoir le truc de base. Donc, si je reviens ici, là, j'ai Fedora Web Server Test Page. Nickel, ça c'est cool. Donc, maintenant, si je reviens dans mon petit Dockerfile. Pas dans le Dockerfile. On va activer notre conf Nginx. Et on va aller revoir. On va aller revoir, alors je vais peut-être, alors on va se la jouer, comment dire, on va se la jouer anti-sèche.
Je vais en profiter pour vous rappeler l'existence d'un repo fort sympathique, hop, sur lequel on s'était amusé. On s'était amusé. Et on avait regardé, je crois, avec Nginx. Est-ce qu'on avait fait un reverse proxy avec Nginx? Ouais, on avait fait un reverse proxy avec Nginx. Alors ce repo, si jamais ça vous amuse, c'est une série de vidéos alors, dont les replays sont pas encore tous dispo. Pour la découverte de l'administration, la création et de l'administration de serveurs web pour les débutants. Hop là. Et donc là-dedans, on avait normalement quelque part prévu un fichier. Voire même, non, même pas. J'avais juste dit, hop, on rajoute ce petit bloc de conf là, le proxy pass. Donc, on va rajouter le proxy pass. Voilà. Et on met directement comme ça, http 2.//. On met l'IP. Alors, je vais faire 127.0.0.1. Je sais pas si ça va marcher. Je vais mettre sur le 8001. Avec le petit point virgule qui va bien à la fin. Et on va, hop, on va couper ça. Voilà. Et maintenant, si je refais un build. Jusque-là, tout va bien. Je vais relancer mon conteneur. Là. Et si je retente ma chance ici, la connexion a échoué. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que la connexion a échoué? Parce que visiblement, le conteneur n'a pas vécu très longtemps. Et s'il n'a pas vécu très longtemps, ça veut dire qu'il y a eu un petit souci avec la conf Nginx. Donc, ah, zut, pas dans ce sens-là. Voilà. Si je lance Nginx, alors déjà je vais peut-être aller vérifier que dans stc Nginx, conf.d, no SSL, j'ai bien mon proxy pass. Alors, proxy pass directive is not allowed here. Ah! C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Et si je reviens sur. Alors, si je reviens, non, pas ici. Et je reviens là. On est censé le mettre dans un bloc de configuration location. Ok. Hop. Location slash. Et on lui dit comme ça. Hop. D'ailleurs. Ça, je pense qu'on peut le mettre ici aussi. Je suis pas sûr que ça va être très utile, mais bon. Voilà, on rebuild. On peut quitter. Et on va le relancer. Et là, cette fois-ci, il est lancé. "502 bad gateway". Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pourquoi c'est déjà pas mal? Parce que ça veut dire d'une part que la configuration Nginx sur le reverse proxy elle est un minimum valide. Donc déjà ça c'est pas mal. Et l'autre point ça veut dire que on a plus qu'à trouver le bon moyen pour faire communiquer nos conteneurs ensemble. Et ce que je vais vouloir faire, c'est essayer au maximum de rester sur des conteneurs qui sont rootless. En tout cas, sont non privilégiés. Est-ce que je ne me serais pas trompé quelque part? 127.0.0.1 2.8001. Si je fais un curl
127.0.0.2.8001. Ouais, je l'ai, mais la question c'est mon petit Podman PS. Si je refais un run. Non, un exec. Podman exec-it. On va aller regarder là-dedans. Hardcore, putain, mais ok. Bin bash, jusque-là tout va bien. Il y a curl. Si je fais un curl, http://127.0.0.1/2.8001. Non, il n'y arrive pas. Et alors, question à la con, si je tente un 192.168.122. Hop là, non, bouge pas. 122.122.8001. Ah, là j'ai un truc. Là j'ai un truc. Alors. Allez, on rebuild. Ok, c'est cool. Alors, le reverse, voilà. Et là. Ok, c'est bon, je l'ai. Alors, maintenant, ce qui va être intéressant de voir. On va refaire un petit. Donc là, je vais aller regarder dans le reverse proxy. Oups. C'est pas un run, c'est un exec. Ça va rentrer à force, hein. Ça va rentrer. Et si ici, je me fais un petit podman exec pareillement. Mais cette fois-ci, on va sur ce qui va être notre back-end. No SSL default access. Voilà. Alors, T-1-F, comme ça on est bien. Et ben on va faire la même chose ici. Ah oui, c'est moins N1. C'est juste que sous BSD, on peut faire moins 1 directement en fait. Et donc maintenant, si je rafraîchis ma page, j'ai plein de choses qui sont arrivées. Mais ce que je trouve marrant, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'IP 10.0.2.100. Parce que là, en fait, bon, ça marche, mais je suis pas content. Alors, vous allez me dire, mais t'es jamais content, Nils. Non, je suis jamais content. Mais ça, c'est pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand j'ai fait mon conteneur, là, tout à l'heure, je vous remonte le Dockerfile. Non, pas le Dockerfile. Hop, le NoSSL default. Il y a un truc qui m'embête beaucoup dans ce shit conf. Est-ce que ça vous embête aussi? Dites-moi, est-ce qu'il y a un truc qui vous embête dans ce shit conf? Dites-moi dans le chat. Il y a un truc qui vous embête? Sur ce fichier de conf ou pas? Parce que moi, il y a un truc qui m'embête. Merci beaucoup pour le follow, Ugu. Merci. Tout à fait, Azram. L'IP. Ouais. L'IP. Moi, ça m'enquiquine parce que... ouais, il y a une IP à McCall. Je suis assez d'accord. C'est un peu, casse-pied, cette histoire d'IP. Donc, je me pose la question de comment je pourrais faire ça. En plus, là, ce qui m'ennuie, c'est que... Bonsoir à toi, Ugu, et encore merci pour le follow. Ce qui m'embête, c'est qu'en plus, là, il y a une IP, je ne sais pas d'où elle sort. On a éventuellement un... On a éventuellement un truc, là, dans les référeurs, je crois. Mais c'est pas ouf. Mais à aucun moment, en fait, il me met la vraie IP de mon, entre mon poste et ma VM. Et là, j'ai mis en dur l'IP accessible, quoi. Et ça m'embête aussi.
Je suis un peu... J'en suis à un moment là où je me dis, mais mince, quel va être mon axe de recherche et l'axe de progression pour pouvoir avoir mon conteneur avec mon reverse proxy qui peut potentiellement parler à un conteneur avec, l'application, en tout cas le site statique derrière. Merci pour le follow, Léo Aguart. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Alors peut-être regarder déjà sur le... Alors Podman Compose et Docker Compose. Ah! Tu as des notions de service et tu peux y faire des références entre les conteneurs. Ah. Site de Red Hat qui dit au fait, il y a Podman et Docker, lequel tu devrais utiliser. Does Podman support Docker Compose? Et donc, ah ouais, d'accord, il y a un V1 et il y a un V2. Et je suppose que les deux sont incompatibles. T'as jamais testé Podman Compose, mais a priori, c'est pour pas perturber les utilisateurs de Docker. Ben, de toute façon, Podman, j'ai l'impression que c'est un peu leur... leur objectif numéro 1, c'est de faire en sorte d'être rétro-compatible avec, avec Docker. Et l'objectif numéro 2, c'est d'essayer d'éviter certains écueils, notamment le démon, certains droits un peu étendus, on va dire. Tiens, je vais vous poster ça quand même dans le chat et je vais le mettre dans les liens du live. Hop là, mince. Poupouloupoupoum, Discord. Hop, lien du live. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Il nous dit que... Alors, tu n'as pas sous la main, mais demain... Ah, bah écoute, ce serait très gentil, Azram. Ce serait très gentil de me filer un Docker Compose que tu utilises pour un dashboard. Ok. Bon... Pas l'impression qu'il y a grand chose là-dedans, hein. Il n'y a pas de... Je regarde vaguement en diagonale, mais bof. C'est pas grave, Manon. C'est pas grave, c'est très gentil d'être passé. Salut à toi. Je trouverai plus de trucs sur Docker Compose, oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Hop là. Ah ! Bah c'est chouette ça, Manon. Profite de ta visite à Paris, alors. En plus, si tu y es pour encore quelques jours, il y aura la fête de la musique. Il y a peut-être moyen de passer un bon moment, une bonne soirée après ton stage. Alors, tu as un sac de 40 kilos dans le dos. Oh là là. Eh ben, c'est... ah oui, c'est chaud. Si t'as un sac de 40 kilos, l'amener dans un bar pour la fête de la musique, ouais, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu beaucoup.
Alors, moi, ce que je vais vous proposer, quand je regarde, parce que j'étais en train de me dire, il y a peut-être un autre endroit pour trouver des tutoriaux. Je vous avais parlé d'un petit site assez sympathique qui s'appelle Server World. Et en fait, il se trouve qu'il semblerait qu'il y ait un petit truc pour Docker Compose et aussi pour regarder la partie réseau, qui est assez intéressante, je trouve. Je vais vous poster ça parce que je trouve ça assez instructif. Hop là. J'aime beaucoup ce site, server-world.info. Hop, et dans le Discord. Voilà. Et donc, si on fait un petit Podman Network LS, alors, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, j'ai un truc en mode bridge. Alors lui, il a lancé ses trucs en tant que root. Moi, je les lance en tant qu'utilisateur. Donc, on n'a pas la même chose. Et il me présente un 10.88.0.0/16. Mais c'est marrant parce que là, je suis carrément en 10.0 quelque chose. J'ai même pas un 10.88. Et Podman se retrouve avec un. Alors, est-ce que j'ai. Est-ce que je suis pas dans mes. Si, j'ai là. Donc, si je fais un petit. Si j'installe Hyperroot. Qui du coup est même pas. C'est pas Hyperroot 2? Ah non, c'est Hyperroot tout court. Alors. Ah, parce que c'est vrai qu'il n'y a même pas la commande IP dans les conteneurs. Alors. Azram, qui a l'air d'avoir potassé la chose. Qui me dit que dans Illustrative Example, il y a un exemple de Docker Compose. Je pourrais en avoir en service, un proxy et un website. Et dans le conf nginx du proxy, faire référence à website 2.8000. Il se débrouillera tout seul pour trouver le conteneur avec le nom du service website. Waouh! Waouh! Alors, je vais d'abord finir mon truc là. IP route, ok. Default via. C'est marrant ça. C'est si je fais un IPA. J'ai quoi? J'ai un tab 0 avec un 10.0.2. C'est bizarre ça. Parce qu'il me dit quand même que j'ai un subnet là en 10.88 et l'autre truc là, je suis dans un 10.0.2. Slash 24. C'est chelou. C'est chelou. Comment ça marche tout ça? Ah, et on peut créer des networks dans Podman, ok. Du coup, je n'ai même plus besoin d'ouvrir sur Internet le port du website, ça restera interne à Docker. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Hop là. Ah, parce que là, j'ai l'impression que c'était parti pour faire des subnets. Non, mais c'est... C'est... Mais t'inquiète, Azram, c'est super instructif tout ça. Et là, en fait, il propose. Ah oui, c'est parce qu'il propose une web app. Ok. Un back-end avec une base de données et un volume persistant. On n'est pas loin de ce que j'avais envie d'essayer de faire à la base. Hein, parce que bon, pour le moment, je me base juste avec un site web statique. Mais après, ouais, j'aurais bien aimé monter genre un PHP, un MySQL et voir ce que ça donne, quoi. Service front-end image awesome web app port network frontier backtier httpd config. Tu sais quoi, Azram? Je pense que ce sera l'objectif. Enfin, je pense que le truc a l'air assez sympa et je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va démarrer directement avec ça parce que ça a l'air super. Ça a l'air super instructif. Je vais terminer de mon côté le truc que je regardais sur Server World. Mais ça, définitivement, je le colle dans les liens du live. Et dimanche prochain. Dimanche prochain. S'il y a un stream.
Parce que j'ai potentiellement un truc où je vais pas être dispo. Mais honnêtement, si c'est pas dimanche prochain, le prochain stream conteneur, ce sera ça. Ce sera ce sera, on examinera ça et on tentera d'utiliser leur Docker Compose. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être complètement le cas d'usage. Je suis complètement dedans. Bah, disons que dans un premier temps, enfin, en fait, moi, ce qui m'intéresse, en fait, avec cette série de streams, c'est d'y aller étape par étape. C'est d'abord, je crée des petits trucs gentils, je me pose des questions au fur et à mesure, et j'essaye de, comment dire, j'essaye de ne pas aller plus vite que la musique, en fait, et d'y aller progressivement. Parce que si je me lance maintenant dans un orchestrateur de conteneurs, bah, type K8S, c'est bon quoi. Je vais avoir plein de notions à apprendre d'un coup et je pense que je vais saturer en fait. Alors que là, on y va tranquillement, j'ai envie de dire pépère sans se prendre la tête. Bah, disons que j'en fais très peu en fait. Je fais un peu de conteneur, mais j'en fais très peu. Donc, je préfère y aller vraiment. C'est pour ça que je préfère y aller franchement doucement. Et oui, bon bah comme tu le dis, si c'est casse figure de partir sur de l'orchestration directe, on va éviter. Donc, on a notre petit truc quand même avec. Il y a moyen d'avoir différents réseaux. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi il nous met des. Après, lui, il le fait en tant que route. Donc, il y a moyen de. Ouais, il y a moyen d'effacer des comptes, des réseaux, ok. D'en créer et d'en effacer, ok, c'est cool. Mais à chaque fois, il est en 1088. C'est marrant, ça. Et j'avais cru voir aussi dans les exemples. Oui, il parlait aussi de Docker Compose, je crois, dans le container platform. Mais non, Azram, arrête, au contraire, t'as pas perturbé le live, tu l'as rendu sans doute 100 fois plus intéressant. Install podman-docker refer to here. Ok, et donc là, en gros, là par contre, faut lancer podman.socket. Faut lancer un service quand même, là. Une image, ok, avec un volume. Ouais, donc, ouais, non, mais c'est typiquement le genre de choses que je veux faire, en fait. Donc là, il a un premier Dockerfile avec un Nginx. Alors, Azram qui dit, ah oui, par contre, comme j'ai jamais utilisé Podman, j'espère qu'il n'y aura pas des usages qui ne marchent pas avec le rootless. Bah justement, c'est ça qui va être amusant, je pense. Alors, en gros, ouais, c'est le jeu. C'est le jeu, mon pauvre Azram. C'est le jeu. Mais là, je vais vous le poster ça aussi. Et puis, je pense qu'on va en rester là pour ce soir, en fait, parce que je vais pas me relancer dans un truc. Merci beaucoup pour le follow, Cookie Trace. Merci à toi. Donc, je vous poste ça sur le lien, les liens du live aussi dans le Discord. Hop. Voilà. Et puis on va passer, hop, on va passer comme ça un petit instant, parce que globalement, même si il y a, enfin, là c'était assez chouette quand même, ce qu'on a pu voir ce soir avec les conteneurs et en particulier avec Podman, c'est qu'on a pu lancer plusieurs conteneurs à la fois. Bon, ça, je vais pas dire que c'était une grosse surprise, mais ce qui est assez chouette. C'est que on a quand même la possibilité de faire communiquer ensemble
nos conteneurs. Alors pour le moment, c'est un peu moche. J'ai carrément mis l'IP entre guillemets public de la VM sur laquelle il y a mes conteneurs, mais ça marche déjà d'une. Et bah justement, grâce à Asram, on va pouvoir enchaîner sur Docker Compose pour le prochain live, qui je pense ne sera pas dimanche prochain pour les conteneurs, qui sera sans doute peut-être le dimanche d'après, puisque je vais avoir très probablement un manque de dispo, mais je vous le reconfirmerai, puisque normalement le stream de jeudi est toujours lui prévu. Ce qui me permet d'ailleurs de vous signaler, enfin comme d'habitude, je pense que maintenant vous connaissez la chanson, je stream habituellement les jeudis et les dimanches, les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Et que quand exceptionnellement je ne stream pas, comme c'était le cas jeudi dernier, parce que bah, ça m'a permis de récupérer la carte mère qu'on a vue en début de live. Et encore merci d'ailleurs aux généreuses anonymes. Le stream donc de jeudi prochain est normalement toujours maintenu. Le stream de dimanche prochain donc n'aura pas lieu. Si jamais vous voulez voir les anciennes vidéos, donc elles sont en replay de toute façon sur Twitch pendant 2 semaines. Et après, quand j'ai le temps de faire les montages, ou que Studio Cyanotype surtout a le temps de faire les montages, ils sont mis sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver en dessous dans les liens. Et si jamais vous voulez retrouver d'ailleurs tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, bah, y a la commande point d'exclamation socials qui est disponible dans le chat. Et sinon, de toute façon, vous avez ici dans la vidéo mon contact Twitter, l'adresse du serveur Discord, et de toute façon, vous avez dans la page de ma chaîne les liens vers tout ce qui est réseaux sociaux et serveur Discord, si vous voulez continuer la conversation entre deux lives. Voili voilou, on approche du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous amuse de me voir un peu débroussailler un peu comme ça le monde des conteneurs. Moi j'y prends beaucoup de plaisir. Jeudi, donc ce ne sera pas du conteneur, on continuera sur le Home Lab. Merci beaucoup pour le follow, Lulu sans la peau. Merci beaucoup. Donc jeudi, on repartira sur le Home Lab. Et en gros, le projet du jeudi consiste à créer un labo réseau et système via des outils d'infrastructure Ascode. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une excellente fin de week-end. Je vous donne rendez-vous donc jeudi à 20h. Et d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye!